Hier matin, à l'émission Matin Débat, nous avions beaucoup insisté sur l'origine des armes sur le marché des armes, madame, monsieur, donc, en Haïti. Et nous étions clairs là-dessus et nous étions unanimes sur la table à reconnaître que question gang à banditisme dans le pays, pas jamais fini. Si c'est seulement donc soldats ou commandants que nous-mêmes nous, ouais, savoir, monsieur qui yo même, qui se chef de gang, également faisant partie de gang qui pote les armes, qui terrorise la population, si c'est moun ça seulement que nous, ouais, eh bien, phénomène de gang, de banditisme, pas jamais fini dans le pays. On est habitué à attaquer déjà. Ah oui, parce qu'on est habitué à attaquer déjà. Il est habitué à mourir déjà. Il est habitué à mourir déjà. De fait, situation et insécurité, question purification, alors purification, gang yo toujours là. Correct. Ça veut dire, ça a montré que nous pas attaquer problème là, côté nous devons attaquer. Eh bien, en amont. En amont. Elle dit, nous pas attaquer problème là, côté nous supposé attaquer là. Et nous clair sur ça, sur table matin débat. En tant que haïtien, en tant que citoyen haïtien, en tant que analyste politique. Problème zam nan pays ya. Si nous pas chercher identifier moun ki impliqué ki gemé nan question trafic zam nan pays ya, problème ça pas jamais résoudre nan pays d'Haïti. Ou ka d'accord avec moi souvle? Ou gen pas d'accord avec moi souvle? Et ça sont vérité que li. Problème zam nan pas jamais, problème gang, problème banditisme, pas jamais suspend fini nan pays ya. Si nous pas chercher konnen provenance zamyo, je dis à qui sous marché des âmes. Le marché des âmes, c'est un marché prolifique. Faut en chercher qu'on est. Qui moun yo di a cap alimenter gang yo avec zam, jeune garçon ou nan ghetto avec zam, c'est qui est sur eux. Faut en regarder en fait registre ça tout. Et tout un balle là. Problème ça fait carré donc existe dans pays. Je dis à ou capable attaquer ti l'appli de matin que l'autre ti l'appli qui monte. Ou capable attaquer iso de matin que l'autre iso qui monte. Parce que c'est pas Isaac problème, non, c'est pas le personnage, mais c'est facilité pour jouer une zame non, et puis ou non système de justice côté que bon impunité jeune garçon là tu dans le ghetto lui que Iso a kidnappé moun tu l'a pris a kidnappé moun l'autre groupe a volé moun et puis lui que il a vive bien il a gagné 10 ans comme ça il pas jamais en fait paraître devant la justice la police pas traquer yo eh ben c'est un modèle en fait pour ces jeunes là. Il faut regarder côté des âmes, ça a sorti, madame, monsieur, donc dans le pays, le marché des âmes, qui est-ce qui a alimenté le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, maître Luc Mandelil, ce qui s'est passé à fond de révélation, comme ancien ministre, de songer, en fait, dans la question gang, qui engagement Luc Mandelil te prend. Et je dis à l'IPA ministre encore, c'est parce que justement, en tant que ministre de la Justice, faisant partie du CSPN. T'es quoi un premier ministre qui était là, qui n'est pas d'accord avec lui? Ou par exemple, chaque bagaille Luc Mandelil fait, chaque salle que dit dans la radio, et puis Joseph Jout contredit. Oui, lui vont dire le contraire. Joseph Jout dit le contraire. Et je dis, si Joseph Jout, comme ancien premier ministre, à l'époque, te mettait bien ensemble avec Luc Mandelil, dans la question village de Dieu, je ne vais pas vous mentir, non seulement Joseph Jout te capait être là encore comme premier ministre, mais ça nous gagne là comme situation, il était peut-être qu'il est fini dans le pays, madame, monsieur. Et ça, c'est un trop de dossiers qui fait que Luc Mandelil, le président Jovenel Moïse, était obligé de mettre la côté parce que il était venu dans une situation côté qu'il était obligé de faire un choix entre Luc Mandelil et également d'autres autorités de ce gouvernement. On va prendre un exemple, ça. Ah oui? Il y a des décisions qui étaient prises pour te barrer, mettre barrage. Oui. Dans la zone Zayo. Oui. Niveau de kidnapping il était baissé totalement. Il était baissé totalement, justement. Une fois que Yannick retire le barrage, le premier ministre prend une décision pour retirer le barrage. Et sous ordre du premier ministre. Premier ministre, et puis. Alors, il faut que je dise que. Écoutez, madame, monsieur, c'est vérité, je vais aller sous ta matin débat. Ou carrément, il y a bon dans les oreilles aujourd'hui. Oui, ou carrément, il y a bon dans les oreilles. C'est clair. Maintenant, le comportement du premier ministre Joseph Jout à l'époque, ça t'a choqué tout le monde dans le pays, oui. Mais comme son pays. Les chefs parlent soi-disant, et puis il y a des gens qui ont un pacal en face parce qu'ils ont un intérêt personnel avec le chef là. Mais je dis à la PATA de questionner Joseph Joutou. Sous rapport avec justement M. Gangzayo, parce qu'il a dit ouvertement. Il a dit ouvertement. Quelqu'un parle à monsieur, il a un rapport avec monsieur. Et il est même dit que c'est pas une petite yon nade. C'est gravissime ça. Comprenez bien, madame, monsieur. Et ça me comprend bien. Donc,
problème n'est pas aussi léger comme si je ne peux pas comprendre. Alors, comme haïtien. Comment parler là? Tu sais, bon, non. Je ne vais pas beaucoup résoudre, non, vraiment. T'as des bons problèmes, vous m'allez. Vous m'allez. Ça, c'est une grosse information. Il y a un appareil, non, petit, non, monsieur, il est clair. Qui monsieur? Yon nan nèg yo. Oh, yon nan nèg yo mon frère. Oui, monsieur. Alors, c'est ça. Ah oui. 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 S'il t'a avéré, c'est ça. Li gen lè ta parèn yon nan. Il t'a parèn petit yon nan monsieur, yon nan monsieur. Oh. Pierre matin à tout. OK? Il t'a à l'aise pour le dire à tout pays, à quelqu'un parle avec yo et nèg yo lè nan téléphone. Pa gen moun k'a fè le papa la. Pa gen moun k'a fè papa la avec yo. Il te dit ça, oui. Il est clair sur ça. Donc c'est pas c'est bonne nouvelle il dévoyer ba moun et pour te dire moun que il pas qu'on fait. Non, il est clair sur ça. OK? A fait ce nexe mystère. Non, et je dis hein, madame monsieur, ou ka dit sauvle. Maintenant mais alors on a pas laissé faire contact, n'a pas laissé faire contact avec maître Luc Mandelil. Alors, Luc Mandelil comme c'est ministre de la justice et de la sécurité publique. Alors faut qu'on dise que CNDDR te get ba information. Il est sur toutes les réseaux sociaux. Et l'information a été, une fois de plus, reconfirmée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Luc Mandelil. Elle a dit ouvertement sur Radio Caraïbe que CNDDR soumet une liste de 11 familles qui impliquent des questions 20 âmes dans le pays, des questions 18 âmes dans le pays. L'élan est pour prendre décision comme ministre de la Justice, pour attaquer Mounsa en justice, et puis, dossier a bloqué dans le plus haut niveau d'aucun État. Mais puis au niveau dans l'État et Joseph Lectidor, Aldaï. Non, puis en principe, chef hiérarchique direct, Luc Mandelil, qu'est-ce que c'est? PM, non? On fait mal à lui. Le premier des ministres. Le premier des ministres. Okay. Ah, oui. Donc, chef hiérarchique, donc direct. Direct. Ministre de justice, là, c'est le premier ministre. Oui. Et puis ensuite, le président de la République. Ah oui. Alors, donc, madame, monsieur, suivez mon regard quand même, hein. C'est volonté de pas gagner pour résoudre problème là, quelque part. Parce que des gros problèmes de volonté quelque part. Ils ont expliqué. Très bien. Très bien. Ok. Pourquoi ministre en avait déjà oui. Ah ouais, allez non. Ok. On a allé. Et maître Luc Mandelil, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment on est? Et nous là, nous connaissons bien. Nous saluons José Sidor. Nous saluons ce député Tatout. Nous saluons Monsieur Anadé. Et nous saluons Isaïe César, et ainsi que public qui est dans la diaspora, internet, qui a écouté l'émission en matin. Ok, pour avoir été ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour avoir pris en fait certains engagements et par devant la nation haïtienne, et pendant que tu es ministre, pour te traquer bandits, pour te finir avec question de kidnapping, question de banditisme pratiquement dans le pays, et puis un matin, et vous avez été en fait renvoyé par ce gouvernement. Je dis alors regardez et situation pays et qui Jean Bandi a fait la loi dans pays avec qui sentiment quoi vivre ça aujourd'hui comme haïtien d'abord et puis ensuite comme ancien ministre de la justice et de la sécurité publique. Bon, on comprend avec qui douleur, avec le cœur déchiré et le coup ma vie situation ça malheureusement c'est là la suite des pays arrivé. Mais, en fait, les mauvaises choses, on la vit dure, malheureusement. Mm-hmm. Et c'est ça, la République d'Haïti. Et en plus, on a crié, maman, papa, pitié. Donc, son situation désastreuse. Nous, par contre, comment vous qualifiez situation ça, côté ces bandits, ces vagabonds, ces délinquants, qui ont fait la loi. Mm-hmm. Monopole, violence, ça, c'est une guerre. Bah, la inversée, c'est pas l'État qui gagne mon point de violence légitime encore. Et c'est bandit. Mais pour faire un rappel historique de questions banditistes à l'Oko, et situation ça, après 1986, c'est là, bah, elle a commencé. Ça a commencé timidement, insécurité sanguin là, sous gouvernement du lieutenant général Prosper Avril, qui est président d'Haïti. Ensuite, bah, elle a continué. Avril vient aller remplacer par président d'État Trouillot, élection 16 décembre vient faire, Jean-Bertrand Aristide vient élu président d'Haïti, donc 30 septembre 1991, et pour le grand coup de force,
et l'entête le lieutenant général Raoul Cédras. Et ça continue à sécurité question anglaise, etc. Il y a un pigou Kounda dans le coup, c'est à partir de 1994, l'ayant renvoyé le personnel militaire, à partir de démobilisation FADH, à Savimbo, la structure de la sécurité publique d'Haïti éclatée. Eh bien. Donc, toute structure de renseignement, de sécurité, de contre-renseignement, écrasée, parce que nous-mêmes, en tant que peuple, n'avons pas jamais fait continuité véritablement. Nous pas tenu compte qui s'est bon, qui s'est pas bon. L'ennemi au monde n'est pas besoin de connaître. Si ces pays en a fait souffrir, n'agit sous base émotion de haine. Et c'est ça dans le pays, 1994, nous assistons à l'état d'Haïti effondré, l'occupation américaine. Et en 2004, même pas la balle vite encore, les anciens présidents ont tombé. Et l'état va effondrer deuxièmement encore, ou pour assister à l'occupation. Et Blamé qui va le débarquer encore, ensuite il va faire place à la Nations Unies. Maintenant, lorsqu'on crase l'armée d'Haïti, ça, ça vient bon. Ou pas, je ne m'en dis la main, la main d'en fait, la pays où qu'on arrive. Ou t'es gagné l'armée cannibale. Et t'es gagné l'armée si à mettons, dans tout pays. Hein. Et l'armée constituelle pendant, il va le renvoyer, il va remplacer le parti de l'armée légale. Et c'est à partir de là, bah, elle va commencer, insécurité ça. Et vini, je vous dis là, bon, finalement, dans Genon, dans tes plates, et malheureusement. Et t'as l'air d'entendre, t'as fait un rappel, et le coup des anciens premiers ministres là. Malheureusement, en Haïti, nous toujours accentué sur, accessoire, mais pas accentué sur le principal. L'on premier ministre, quand il dit pas grand monde pour faire papa la veille. Et il n'y a pas de monde qui a pris les bandits. Hein. C'est des gens qui s'insèrent, ils vont leur dire, ils vont leur dire, téléphone pour les aller les gens. Ah, mais c'est conséquence des déclarations, on a payé la tout le coup. Parce que je vous fais la tomber en bleu, je vous dis, parce que là, on fait ça, ou bah, les bandits, les criminels ont légitimité politique. Donc, ça, c'est, ça, ou dit, ça nous est là, et Maître Luc Mandelil, c'est conséquence des déclarations de l'ancien premier ministre, parce que par ce tact, les vins bas, ils ont certaine légitimité, c'est ça? C'est le coup, mais c'est allié. Et malheureusement, en Haïti, et sous ça, vous ne chutez en danger, même si vous ne chutez sous un. Mais ça, quand même, est en danger, nous parlons de ça. Parce que les bandits viennent se sentir confortables à la suite des déclarations qui sont là. Les valeurs sont là. Ou les bandits sont en prime. C'est son prime à la violence que lié. Donc maintenant, je me dis, je bats la tournée, etc. Je me dis, bandits, je mets un défi. Ah ben. Et en ce moment, ils ont estimé que, comme si, c'est pas une femme d'abri de l'île, pas de gueule à dire ça, etc., comme si c'est un bandit de parler, peut-être n'a pas mal en bois, je n'ai pas de grande femme de ça. Et à ce moment-là, donc, ça a passé, les gens ont passé là, donc il n'y a pas de bandit en prime. Et à ce moment-là, donc, pays en tête en bas, et depuis là, pays en plongé net, nous partons, Haïti plongé net, tout ça fait. Donc, ok. Et en Haïti, les chefs ont dit n'importe qui va à bouchon, mais population. Hein, et ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas fait analyse sur question ça, sous conséquence des déclarations aussi archi graves que dans le pays là qu'on y a là. Et les conseils à la force publique, là, la police qui c'est force publique pays. Hein. Donc vous venez censé capter, c'est comme si c'est bandit qui viennent de valeur, viennent de l'importance. Et puis voilà, et les conséquences des déclarations. Ok, l'autre. Proposer en fait dans 72 heures de temps et si monsieur pas baisser les armes ou du moins si vous pas quitter village de Dieu donc ça crive à privé et tout le monde te prend très au sérieux donc déclaration côté faire alors qui bon blocage a te vin arriver et que soit dit en 72 heures les vin pas arriver fait côté blocage a te et mais ça crive le coup et 72e débat là c'est une certaine presse à l'époque. C'était mon endroit de l'homme qui t'a critiqué. Et naturellement, on est à la mort, ça c'est libre en raison parce que, piment, l'œil de l'âge est codé, on a agi pour là. Il n'y a pas de problème. Souvent, nous-mêmes, ils séparent, nous, c'est pas ça ne fonctionne. Mais c'est pas nous, c'est pas madame, nous, c'est pas proche, non. Ça va dire rien. Mais pas petit, non. On est relâché, nous, tout cap qui est renié. Ou des quantités de volume de monde qui a quitté Fontama, Matissan, Bolos, qui a réfugié un peu partout dans le pays, qui pour aller à des destinations connues, dans le monde côté voilé. Mais côté un monde qui était capable de faire, même pas quand on dit, cap de faire le monde. Alors que l'un des bâches en 12 heures, nous dit, on est un petit bon monde, de fond de glace, en attendant de résoudre le problème, non, il faut tout. Alors, et le temps est trop petit, l'un des bâches en 12 heures attend que peut-être peu de mois après, il vient tomber.
Et femme de que si tu ne mettais pas réussi, on coûte fusil pas tirer. Rappelez bien le colonne des commissaires gouvernement. Nous avons une bonne OBH, on devait faire la police, mais pas jamais bon cartouche qui tire. Parce que nous avons une stratégie pour nous. Nous avons un jeune fonctionner, nous avons un gardien, nous avons une information, etc. Nous n'avons pas compris comme ça pour nous tâtonner, pour nous faire courir. Faut sûr que nous ne pas chercher là et un gardien là accompagner nous. Alors, je me dis un gardien. Ce n'est pas au singulier, au pluriel, nous avons plusieurs. Donc maintenant, et puis nous pouvons porter notre emploi, nous avons besoin d'aller. Rappelez que pendant toute opération que nous avons fait, l'homme des commissaires gouvernement, on ne touche pas tirer, on ne peut pas mourir. Rappelez ça encore. Soit là, dans de l'histoire, pour ça, après là. Côté nous libérer des otages, nous libérer qui tapent, etc. Mais pas de gens, on ne peut pas toucher tirer, on ne peut pas mourir. Et mais c'est de même, nous avons fait le village là tout. Parce que nous pas de gagner et canage. Et en fait, la majorité de nous avons se déplacer vraiment parce que. Je connais moi-même mon bagage, ça me dit en privé, je me dis en public. Et je me parle de ma gauche moi-même. Je n'ai rien à voir avec gang, bandit, vagabond, ni de près, ni de loin, de près. Même en qualité d'avocat, je me dis, je n'ai aucun rapport avec ça du tout. Et je n'ai jamais rien à voir avec eux. Comparativement à mon qui est chef qui a parlé avec moi, je n'ai rien pour me dire avec bandit, avec vagabond, avec criminel. Parce que l'État, son personne morale, l'État n'a pas de connivence, de mèche avec bandit, avec vagabond. Parce que dans tout pays, on nous fait un coup d'histoire et locaux. En Italie, la mafia italienne qui est sortie de l'État genou. Mais la justice et la police et fait bandit mafia italienne. Nous capitulons, nous faisons l'envie au Mexique, pas longtemps là. C'est une insécurité grandissante, kidnapping, vol, etc. Ou pas qu'à fonctionner. Mais c'est certains membres de la police qui sont impliqués la question ça. Mais ça, le gouvernement fait pour un décret. Ils mettent le pays en condition D, sous contrôle l'armée pendant 3 ans, pour faire opération 24 sur 24, nettoyer le pays, mais qu'on y a là, Mexique, bah, elle a plus ou moins marché. Il va là pour Brésil, tout, République Dominicaine. Donc maintenant, l'État, ça n'a pas capitulé au camp en face, il va dire, obligé de faire battre. Mais bon, côté pendant là, nous sommes sur le bail fait, et nous, l'État, pas nous, censé agir en face délinquant. Et c'est malheureux, c'est grave, et la situation est là, donc. Tout le monde a compris ça doit faire, tout le monde obligé marron. Là, quand on a parlé de la sécurité pour autant, donc le monde n'a qu'à circuler. Il n'a plus de problème dans le pays local, c'est que c'est circulation, côté le monde n'a qu'à circuler, etc. Voilà. Alors, en tant que j'ai une question posée, je me bloque à la côté des locaux. Je pense que ce blocage là est situé surtout et sous question de temps. Et je ne vais pas garder assez de temps. Le montrer. Comme ministre pendant 4 mois, si le pays a été fermé la question Covid-19, les pays vont commencer à ouvrir plus ou moins, c'est le moment où ils vont aller. Et entre l'homme fait déclaration, entre l'homme tombé, ça te gagne moins sur moi. Donc voilà, tout est. Toute préparation qui commence à faire. Et suivi en l'oral fait, malheureusement, le chef qui a fait opération n'a pas parlé avec nous pour connaître qui ça nous fait. Et qui est-ce qu'on garde de gagner? Qui, moi, on dégage disponibilité pour nous faire opération. Personne ne va la veille depuis, malheureusement, où on s'est fait canal dans le village, puis le compatriote policier, nous, et frère policier, nous, comment on a perdu la vie au mal, et malheureusement. Très bien, ok. Maître Liman, est-ce que l'offre fait déclaration? Mon te connu, on t'a pris le tombé, l'offre fait déclaration? Imaginons, bah, comme ça, mon cher député, donc, et député Tatou. Donc, son situation et question village-là, et naturellement, monsieur, vous avez toute autorité, ça, ou t'es avec le tribunal, la table, ça vaut pas bien. Donc, il y a une première victime de question, ça, c'est moi. Et des confrères avocats, en pile là, de la partie, le tribunal là-bas a fonctionné. Donc, mais le dit ça, c'est bloqué 5 départements. Et donc, son situation qu'il a depuis quelque temps et je crois que pays hein, pas qu'à gagner à ça et même pour voir qu'il me là dedans là pas quoi que c'est qu'à gagner la veille pour nous déloger vagabond ça qui empêchait mon de bien fonctionner mais c'est toujours ce qu'il a et à l'heure là l'homme de la gagne pour essayer de mettre dans le bagaille ça veut dire que m'a condé et puis l'a décondé peut-être qu'il dégonne l'autobiographie même donc quitter nous même la presse et puis l'histoire va juger, donc Jean-Docteur François Duval dit l'histoire me jugera. Donc, en tout cas, et je te vois côté me dévoiler, tout le monde doit bonne volonté.
et moi-même pas rentrer en dynamique Haïti gon stratégie bon j'en fonctionner l'état d'Haïti c'est l'on fonctionne et nous faire rien ne dit rien accepter le tout bon moi même pas de dans mon sinecure en tant que citoyen on est de la province si je là pays a bonne chance et nous avons plus bagage pour nous retourner vers Haïti et je ne peux pas imaginer que ça me déca tomber parce que douleur ça c'est tout citoyen haïtien qui a souffri que ce soit mon cas à l'étranger que ce soit mon cas en Haïti et je crois que volonté de gagner et je crois que la pire monde c'est pas ça a été passé le tout mais malheureusement ça a passé comme ça Maître de Lille et pour l'histoire et pour la vérité lorsqu'on te fait déclaration ça ou te ba ultimatum nan et pour bandioté alors pour moun qui pas qui trouvé que maître de Lille et allez alors maître de Lille ou capable rele nous bac et oui. Parce que minute mais fini ou capable ou capable vraiment ou capable international bye bye ici non et pas ici ça moi capable oui ça moi capable ça moi moins de gros bagages dit ta regardez-vous faut que c'est grand Jean bien maintenant tout bon regardez misère nous nos pays mes amis pas pour être un ministre qui a fini. Mais pas possible, bah, ça. Bah, ça est là. Et. Ah, j'ai 500 gouttes. Deux bagages, rien, non? Tant de minutes. Bon, vérifier, moi. Alors, mec, Luc Mandel, le gars, va les noms. Donc, si. Et bien. Oh. T'en fais là. Tu appelles là, ici, téléphone Haïti, oui. Bon, mais c'est moi, non? Oui, mais oui. Alors, il paga monter. Alors, oui, mettre Luc Mandel. Ok, oui, mettre Luc Mandel. Et je veux qu'on question pour aller. Alors, Maître de Lille, pour l'histoire et pour la vérité, dans le moment où tu as ultimatum, ça, 72 heures, là, et pour les gens qui pa, qui trouvaient que n'y a pas de connivence avec les bandits qui ont quitté le village de Dieu, et il y a une information qui t'a fait croire que les gens qui t'ont empêché, ou du moins qui t'ont boycotté la décision, ça, ou du moins la déclaration, ça, ou t'es fait, il était allé plus loin que national. Pour l'histoire et pour la vérité, côté l'ordre, ça a été sorti pour décapituler. Pas de question de international, comme si tu posais, etc. Ça. Et pas de bail comme ça du tout. Et puis tout. Supposons d'avoir un bail comme ça. Ça va victime. C'est nos victimes, c'est pas blanc, c'est pas international. Comprends bien, oui, et l'Occident. C'est deux bails, m'a dit là. Premièrement, on va jamais dire ça. Et chaque fois. Et je parle avec des diplomates, surtout mon américain, l'ambassade américaine, ils étaient toujours et d'accord avec les positions, ils étaient toujours dit au même au niveau de Washington, on ne négocie pas avec les terroristes, les vagabonds. Ils étaient toujours montrés que très favorables à la position d'Amna. Et supposé d'avoir une position contraire, Fabri et pays, non. Et ça n'a pas vivre c'est nos capricimes. Donc, même si tu as une position contraire, donc nous pas capable de. Et adhérer à ça parce que ça n'a pas vivre là, c'est nous qu'on est ça n'a pas duré. Et moi-même, plus penser que Kouen de l'homme, je pense que c'est ce facteur temps qui était joué contre moi. Et si nous avons été pilotant, nous avons été à chaque fait parce que moi, pour nous gagner, nous avons disposé de gagner moi déjà, et pour nous faire vagabond, faire bac, et mon chaîne a fait opération et a réussi. Et là, ici, par la phase d'un décap pour la crise, mais ce n'est pas crise abdominale, malheureusement. Eh bien, ok. Maître Luc Mandelil, la question qui fait peur. Vous déclarez, il n'y a pas trop longtemps, donc sur Radio Caraïbe, que CNDDR te soumettre en liste de 11 familles qui impliquées dans la question trafic d'âme dans le pays, qui impliquées dans la question distribuer des âmes, donc surtout dans le ghetto. Matin, dans l'émission Matin Débat, qui 11 familles ça y est, Maître Luc Mandelil? Et nous croyons pas de taver qu'en tant qu'ancien ministre, homme d'État, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous sommes homme d'État, nous avons obligation de réserve, nous n'avons pas qu'à dire n'importe qui bagaille à bouche-main, et nous n'avons pas qu'à dire n'importe qui bagaille. Et sachant que nous sommes capables de qui sont vérités, nous sommes capables de confirmer. Et M. Jean-Aubert de Sénat, pas lui-même seulement, toute commission CNDDR, ok. Et nous prenons investiture comme ministre. En je veux dire de même de rencontrer avec majorité là d'ailleurs, que ce soit Lalanne, et que ce soit Majora, et Stephen de Tempoueur, excuse-moi, et que ce soit Jean-Bel de Sénat. Et je rencontre avec le Sénat souvent, peut-être 3-4 fois par jour, pour me comprendre la situation, parce que depuis avant de ministre, on était tout le temps des paroles sont parlées là, le Sénat était conduit.
11 familles qui ont fait trafic d'armes, etc., qui mettaient la République en danger comme ça. Mais chaque matin, je suis dans le Sénat pour me connaître qui ça me fait. Situation ça vient là, comment nous allons résoudre lui. Et qui formule lui-même les gagnants. Et tout équipe, il devrait le retravailler dans le bureau, souvent. Okay. Et effectivement, je suis sur mon liste de 11 familles qui ont fait trafic d'armes. Et qui a droit tout, c'est pas ZAM seulement, nous on a droit tout, on a kidnapping, on a bagaille. Donc on nous trouve son bail caché grave, là je dis ça, mon cher j'ai tremblé dans ma peau. Donc le dossier là, dans les sables, son bail grave. Donc, et le connu à la. Donc on se formé qui n'a droit, qui n'a kidnapping, qui n'a trafic d'âme dans le pays. Donc kidnapping d'après nous. Maintenant, on dit que ça, bon bail, ça c'est bon bagaille simple. Et un vrai document et m'a essayé chercher checker un gardien mieux pour me faire contre-enseignement parce que naturellement on va pas prendre comme bon l'évangile. Très bien. Faut qu'on aller faut faire contre-enseignement pour qui véracité qui va bagaille ça et ça qui vrai. Est-ce que toute information dans ce nage de monde ça est vrai et m'a pas essayé ça que pas moi. On va pas être avec nous 4 mois et comme si c'est 4 jours, on va pas être devant. Très bien. Pour me faire enseignement et pour me faire contre-enseignement fiable. Parce que bah, ça a besoin de temps, ou besoin de moyens, ou besoin de corps, ou besoin de temps parce que l'information est pirate, parce que nous n'avons pas besoin de faire contre-enseignement pour et on va chercher des experts avec des formations, la question contre-enseignement. C'est clair. Faut que moi, il faut pas le temps qui travaille. C'est clair. Mais malheureusement, je n'ai pas de temps pour me faire contre-enseignement. Et pour me abouti à qui ça la vérité la question ça, qui véracité qui gagne l'accusation si grave pour ça. Mais le temps est joué contre moi. Mais ça, mon cadeau qui est vrai, c'est que dans le Sénat, mettez mon courant comme ministre de la Justice, la Sécurité publique. À l'époque, pour dire, mais qui moun, cap fait vagabond dans le pays, ils disent que si nous prenons 11 moun ça, nous avons la paix. Mais si nous arrivons à bout de prendre tout, et finalement, nous faisons carré le problème, je suis dit là, et question qui c'est ici, ceux-là, qui nous amènent, parce que. Malheureusement, ça a quand même un parti, mais mon carte électorale va gagner. Parce que vous avez un carte électorale. Faut faire que c'est la chiffre, mais ça va pas sortir. Donc, bon, vous avez un peu de temps, vous avez un. Et puis, en tout cas, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, 24 sur 24, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Donc, ça veut dire que c'est bon, bagaille, c'est pas là. Donc, je suis là de bien là. Et bien là, je suis à terre, si c'est malheureusement seulement bon. Et chaque fois que mon chef bandit parle, ou à même côté, il y a un place. Et ça veut dire que le problème, nous sommes prêts en amont, en aval. Donc, nous d'accord avant, l'autre qui commence l'introduction, l'émission. Ok. La vérité, du coup, c'est que nous sommes au courant, nous devons travailler sur lui, mais malheureusement, tant que je joue contre moi, et je ne vais pas arriver, je fais contre-enseignement pour me dire ça va aller, parce que je ne vais pas lui faire mon abus. Là, nous avons une information, je ne vais pas. Ou agir comme ça, en qualité de ministre, faut que mon renseignement, faut me faire renseignement. Et pas oublier même que sur uniforme la police, mais qu'il faut uniforme là tout. Je suis un rival de Saloko, l'un des ministres. Mais, je me suis fait renseignement sur ça, parce que côté où il y a un coup d'uniforme, là, même qui va acheter, je me suis fait renseignement sur ça. Mais comme ministre à l'époque, je ne suis pas décidé, et comme ça, de la réalité, même comme ça, sans. Je ne suis pas sûr que l'information de guerre vraie, c'était bah, l'évangile, etc. Donc, on a pris temps, mais question uniforme, il y en a pour nous qui parlent de ça, parce que je suis un gardien qui dit, mais quand il y a ce uniforme, là coûte, mais quand on lit ça, à l'époque, il y a un coût de 3 000, mais on a un gars net, et quand on a parlé avant là, il y a un gars net, et il y a plus de monde, même mon mapdou. Et des informations dans la bon capable chez Zamna. Moi, ça fait comme moi plusieurs uniformes qui ah bon? Là. Ah bon? Ça a une semaine. Ça a une semaine, même Mounsa, oui? Qu'on spécialise. Donc, ça a une semaine, même Mounsa, les commandeurs des uniformes, donc ça a une semaine dans le pays. Il y en a 11 mounes qui dans la bon là. Il y en a donc un gardien bon moi qui fait comme un uniforme. Qui débarquait, ça a gagné environ 7 jours. Et uniforme ça de toute unité spécialisée dans le PNH. Son gros déclaration fait matin encore, il a mettre Luc Mandelil. Eh bien, mon cher Luko, quittez-moi. Et, on est moi-même, je suis un gardien, donc je suis un gardien, c'est pas là, il faut le motiver.
Donc c'est même mon enfant misère qui a fait des gars à VIA. Et malheureusement, donc l'état jeune, il y a aussi même dit bon on fait pas bien. Donc le pays a mal écrasé et le pays a mal écrasé et puis il y a de l'argent, ça va bien. Malheureusement. Mais est-ce que nous avons la continuité de l'État dans l'État même? Est-ce qu'on va partager l'information ça avec les gens qui viennent après là? Bon, nous ne pas mettre avec l'opération à cette tablée que c'est moi qui était initié par le village là. Mais pas de personne qui vient parler avec aucune autorité. Donc, moi, tout ça me dit, Louko, de toute façon, nous avons là, si vous avez besoin de renseignements, donc vous avez la même. Vous me dites, mais ça me rien, mais ça me connaît, mais ça me rien. Vous même essayé de vérifier. Pour qu'il y ait une véracité de la question, hein, qui s'agrée. Parce que souvent, on a été remis à vous remonter. Et même, on ne peut pas dire que l'homme a une information beaucoup à vous remonter. Il faut pas dire qu'il s'agrée. Bien sûr, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire qu'il parle vraiment, donc, sur question ça. Vraiment, donc, je souffre ça, l'homme dans moi, dans l'esprit moi, malheureusement. Donc, je ne peux pas souhaiter que la société arrive là. Et malheureusement, c'est l'arrivée. Haïti constitue la honte. Et l'Amérique latine là, côté nous positionner, hein, la Caraïbe là. Donc, on n'est pas qu'à fonctionner, le pays est pratiquement fermé. Donc, c'est gang, c'est vagabond, et c'est criminel, et qui a fait la loi, le pays, hein, et qui comprennent, qui ont fait ça avec la société. Hein. Mais, et, souvent, dans le monde, on a dit que la police n'a pas travaillé. Le coup, c'est pas vrai. Moi-même, je crois que la police fait confiance au métier des moyens de Bali. L'homme de commissaire gouvernement, ni l'homme de fait si bout de terminer justice là, nous fermons en bas. Et qui n'a pas fait 44 détenus, qui est-ce que nous faisons? C'est avec la police. Avec la police, c'est bien. C'est vraiment qui fait le corps. Comment la police va faire travail? C'est pas vrai, monsieur. Donc, vous volontez quelque part qui va gagner? Eh bien. Donc, vous volontez qui va gagner quelque part? Et puis la police, c'est moi, elle a confiance dans le travail. Mais l'envoi est ministre de le dos. Pas rien, nous faisons pas la bandit. Donc, qui confiance dans la police à la relève? C'est clair. Donc, police a venu comprendre. Si on a l'entrée dans des opérations, et il y a des gens qui veulent se les capter pour casser, malheureusement. Donc ça veut dire que mon déclaration, ça, il n'y a pas aidé. Il n'y a pas protégé l'État, il n'y a pas protégé le pays. Donc ce n'est pas la police qu'on est. Nous nous disons qu'il n'y a pas rien pour nous avec bandit, avec peur, avec vagabond. Et c'est là pour les policiers qui travaillent. Et quand il y a, maintenant qu'on est, il y a des gens en bas, en bas, en bas, quand déclaration qui a fait public, en bas, il y a des gens qui ont fait. Donc à ce moment-là, et c'est ça qui explique que une force publique là vient affaiblir. Vous me comprenez? Eh bien. Merci en pile, maître Luc Mandelin. Merci en pile. Et c'est à bon, vous, monsieur Loco. Merci, bye bye. Merci en pile. Bon, voilà. Encore de grandes révélations faites par maître Luc Mandelin. Cette fois-ci, donc, à l'émission Matin Débat. Alors, Pablo, que nous dit que nous avons deux points que nous avons traités ensemble. Effectivement, maître Luc Mandelin. Recevoir de CNDDR une liste de 11 familles qui impliquaient dans la question Vanzam, Douag et qui n'ont kidnappé dans le pays. Il vient de le dire. Ma brebete pour nous. En tant qu'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Luc Mandelin confirme encore ce matin à l'émission Matin Débat que il était recevoir en liste de CNDDR. Il y a une liste de 11 familles dans le pays qui impliquent dans le trafic d'armes, drogue et kidnapping. Et M. Luc Mandelin allait plus loin pour le dire que il y a de cela 7 jours, il y en a 11 familles qui ont commandé des uniformes de toutes les unités de la police nationale d'Haïti pour habiller les bandits dans le pays. Sous question liste 11 familles, M. Luc Mandelin, clair, c'est pas parce que c'est un DDR ballon liste de 11 familles, pour lui-même en tant que ministre de la Justice à l'époque, pour le pas mener enquête par ah oui, donc faire investigation sur 11 familles, ça y est, comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps pile dans le ministre, parce que pendant le tap mener investigation sur 11 familles, ça y est, et puis il a été révoqué. Donc ça, c'est déclaration de M. Luc Mandelin dans l'émission Matin Débat, madame, monsieur. Comment dit ça son dossier nous menons garder à la loupe parce que pays a j'en là Haïti pas carré comme ça madame monsieur. Donc si nous avons une intervention mettre Luc Mandelin là tout je dis à la qui est si on est mon parti qui est responsable tout ça dans pays dire les Joseph Jout parce que sur le plan psychologique
les fréquentes interventions de l'ancien premier ministre Joseph Jout sous question bandits dans le pays, ils viennent rendre confortable et ils viennent mettre tout dans une insécurité et inconfortabilité les policiers de la police nationale d'Haïti. Parce que là, on voit un ministre Campbell Douke, pas de monde qui a campé, qui a fait papa la bandit. Eh bien, les gens qui sont policiers, policiers là, qui sont mandés là, ils ne peuvent pas gagner. C'est le chef là, c'est qui le chef là qui a pris une décision et il dit ça, finalement, qui ça pour le faire. C'est le gros chef là qui a fait le truc, pas de monde qui a empêché par la bandit. Et c'est lui-même qui est président CSPN. C'est lui-même, en principe, avec le ministre de la Justice et de l'Intérieur, et puis le directeur général de la police, planifier stratégie. Ok, pour finir le phénomène bandidisme pratiquement dans le pays. Bon, même lui-même, il dit ça. Qui sa police lui-même, il va le faire dans le moment où on appelle madame, monsieur. Donc, madame, monsieur, comprenez. Et au moins, il va rentrer là tout. Ça, pour nous comprendre là, c'est que. Et non, je te noyais. Et. Et son nom.